Donc bonsoir à tous. Donc Pierre L'Huillier, en charge du service énergie climat à la communauté de communes de l'île d'Oléron. Donc bienvenue pour le septième épisode de notre série Les Jeudis de l'énergie. Donc on va s'intéresser ce soir à l'énergie éolienne. On accueille pour cela donc Édouard Chesnel, qui est technicien référent au CRER, le Centre régional des énergies renouvelables. Donc les Jeudis de l'énergie, pour rappel, c'est un ensemble de 12 conférences qui sont dédiées aux énergies renouvelables et décarbonées. Et donc on a commencé là depuis début janvier un cycle dédié à la production d'électricité. Là, il y a 15 jours, on a abordé le photovoltaïque. Ce soir, c'est le tour de l'éolien et on abordera dans 15 jours, début février, l'énergie nucléaire. Quelques rappels pour que le webinaire se passe bien. Donc, on vous demandera de garder la caméra et le micro coupés, de vous nommer clairement en haut à droite de la page Zoom. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas donc à échanger avec nous par écrit. Et on retranscrira les questions à Edouard lors des pauses qu'il fera dans sa présentation. Donc, avant de laisser la parole à Édouard, je voulais juste préciser que ce soir, on s'intéresse à l'énergie éolienne, à la technique. On n'abordera pas le projet éolien offshore qui est en cours au large d'Oléron. Voilà, donc je vais laisser la parole à Édouard. Oui, bonjour à tous. Donc, je me présente, moi, c'est Édouard Chesnel. Je travaille au CRER, au Centre régional des énergies renouvelables. Je vais vous partager tout de suite l'écran de la présentation pour qu'on puisse commencer. Faire comme ça. Mettre en plein écran. Est-ce que vous voyez bien? C'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Oui, alors Centre régional des énergies renouvelables, hein, pour présenter qui on est. Donc, c'est une association d'assistance technique dans les énergies renouvelables et les économies d'énergie. On est basé en Nouvelle-Aquitaine, plus exactement à La Crèche, hein, c'est à côté de Niort. Et puis, on a également une antenne sur Limoges, c'est Pacrila, mais également sur La Rochelle, hein, pour les conseils aux particuliers. Donc, l'objectif, hein, c'est d'aider au développement des énergies renouvelables auprès des particuliers, des entreprises, du bâtiment, des collectivités, etc. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet sur l'énergie éolienne. Alors, la présentation donc, va se dérouler en cinq parties. Première partie sur le développement des énergies renouvelables et de l'éolienne en France. Et on abordera le gisement éolien. Savoir quand est-ce qu'on a, qu'est-ce que c'est que le gisement éolien et comment savoir si c'est la puissance du vent qui va nous permettre de faire cette électricité. Et ensuite, on parlera de la technologie éolienne en tant que telle, donc notamment là, au niveau des génératrices, la transformation de l'énergie éolienne en électricité. On abordera aussi les aspects économiques, administratifs et puis enfin les aspects environnementaux. Alors, au niveau du développement des ENR et de l'éolienne en France, comment sont réparties les énergies renouvelables électriques en France? Alors, on peut les répartir de deux manières différentes. Soit on peut parler en termes de puissance, soit en termes de production. Sur le rond que vous avez en haut à droite de votre écran, on voit en termes de puissance. Alors, on voit que c'est l'hydroélectricité qui est une énergie renouvelable également, hein, les barrages hydrauliques qui arrivent en tête, qui est suivi de près aujourd'hui par l'énergie éolienne, puis ensuite le solaire photovoltaïque, puis les bioénergies. Quand on regarde sur les histogrammes en bas à gauche, donc qui sont répartis d'année en année, alors déjà on voit que la part de production renouvelable annuelle en France a tendance à augmenter. Et là on parle en termes énergétiques. Et on voit bah, également que c'est l'hydroélectricité qui produit le plus d'énergie, donc plus d'énergie que l'éolienne et que le solaire. Ce n'est pas forcément proportionnel à la puissance, hein, puisque sur les énergies renouvelables, on est souvent sur des énergies intermittentes,
ce qui fait que la production et la puissance peuvent être décorrélées. Mais plus on aura de puissance, plus on aura de production en tous les cas. Aujourd'hui, on produit 117 TWh d'électricité par an. Alors, TWh, c'est beaucoup de mégawattheures et encore au-dessus du gigawattheure, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc, à kilowattheure, mégawattheure, gigawattheure, terawattheure. Et par rapport à 2013, donc, il y a une augmentation de 22% de la production d'énergie renouvelable électrique. C'est bien, mais il faut encore aller plus loin, notamment, on verra par la suite, hein, si on veut atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables et de réduction des gaz à effet de serre. Alors, quand on regarde au niveau région par région, on peut parler du taux de couverture des énergies renouvelables électriques. On voit qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y a 27% de la production d'électricité qui est couverte par les énergies renouvelables. Donc, ce qui fait, on a à peu près dans la moyenne, hein, de la France, il y a des régions où il y en a moins, d'autres où il y en a plus. En Île-de-France, il y en a beaucoup moins, il y a beaucoup de population, mais il y a peu d'espace, hein, pour mettre des énergies renouvelables. Donc, ça vous donne un ordre de grandeur. En moyenne, en France, hein, on a 19,7% d'énergie renouvelable au quatrième trimestre 2021. Pardon, excusez-moi. Et on voit que cette production, alors si on se centre sur l'éolien en tant que tel, on voit que la production, bah, d'année en année, elle augmente de plus en plus. Donc ça, c'est les barres grises que vous voyez sur vos écrans. Ça, c'est la puissance, plus exactement, en mégawatts. Et la courbe bleue, c'est la production d'éoliennes en terawattheure. Donc, ça suit automatiquement la puissance installée. Mis à part en 2021, où c'était un peu particulier, parce que notamment par rapport à la pandémie, on a demandé à réduire la production, parce qu'on a cette capacité aussi sur l'éolienne de pouvoir, si on n'a pas besoin d'électricité, on peut les arrêter également, quoi. On avait besoin d'un petit peu moins d'électricité, parce qu'il y avait moins de demandes en France. C'est pour ça que la production a un petit peu baissé en 2021, mais elle a amené à augmenter beaucoup plus dans les années à venir. Plus le parc éolien va augmenter, plus la part de production électrique éolienne continuera à augmenter. Alors, si on regarde par rapport à l'Europe, où est-ce qu'on se situe en France? On se situe, on va dire qu'on est à la troisième place en Europe. Après, on a un grand pays en France, un grand pays avec beaucoup de vent. Alors, loin devant, il y a l'Allemagne, qui sont largement les premiers en termes de production éolienne. Et puis l'Espagne également, qui est devant la France. Il y a beaucoup d'éoliennes qui sont installées. Alors, sur les camemberts que vous voyez là, alors celui de la France, il est tout bleu, quoi. Bleu foncé, quoi. Sur l'Allemagne, il y a une petite partie qui est en bleu ciel. Donc, la partie bleu ciel, ça correspond à ce qui est l'éolienne offshore. D'ailleurs qu'en France, même s'il y a des projets aujourd'hui d'éoliennes offshore, il n'y en a pas encore qui ont été raccordés au réseau. Ils ne sont pas encore en service. Donc, il y a les premiers qui sont en train d'être mis en service, plus exactement, au large de Saint-Nazaire. Donc là, on retrouve la carte de France tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait vu sur la part des énergies renouvelables dans leur globalité, en fonction de chaque région. Là, plus spécifiquement, c'est sur la part de l'éolienne. On voit en Nouvelle-Aquitaine, pareil, on va avoir une valeur un peu aussi dans la moyenne, au niveau de la France. Donc les régions où il y a le plus d'éoliennes, hein, c'est vers le nord-est de la France. Et au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, les éoliennes sont principalement réparties sur le nord de la région. Et sur le sud, c'est plus on va retrouver plus du photovoltaïque. Alors, ça, c'est sur le bilan des énergies renouvelables et l'éolienne aujourd'hui. Après, on peut essayer de se projeter à demain également. Qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir? Si on veut réduire le réchauffement climatique, en tout cas le limiter, on va être obligé de faire des économies d'énergie dans un premier temps. Donc ça, c'est vraiment la base, hein, en termes énergétiques, c'est de commencer par faire des économies d'énergie. Vous voyez tous, hein, bon, les efforts qui sont faits au niveau de l'isolation, donc il y a
différentes aides qui existent, notamment pour les particuliers, mais également pour les collectivités, pour les entreprises, pour mieux isoler les bâtiments, pour moins consommer d'énergie. Donc, l'objectif, c'est de passer de 1600 TWh consommés aujourd'hui en 2050, à 930 TWh. Donc, il y a un effort important qui doit être réalisé déjà en termes d'économie d'énergie. Mais si on fait des économies d'énergie sur la globalité, ça ne veut pas dire qu'on va consommer moins d'électricité. Parce que quand on regarde les camemberts aujourd'hui sur les 1600 TWh, c'est 25% d'électricité. Et la plus grosse partie, c'est des énergies fossiles. Puis on a également des énergies renouvelables hors électricité, qui vont concerner notamment la chaleur. La chaleur renouvelable. Quand on va aller en 2050, on aura fait 40% d'économie d'énergie. On voit, ben, l'objectif, c'est de se débarrasser des énergies fossiles. Donc, il n'y a plus d'énergie fossile, qui aujourd'hui sont la partie la plus importante de l'énergie qu'on utilise. Et pour compenser ces énergies fossiles, on va augmenter un petit peu les énergies renouvelables chaleur. Mais surtout, on va augmenter largement la part de l'électricité dans le mix énergétique français. Et donc, il va falloir pouvoir répondre à ce besoin-là, à cette demande en électricité. Donc ça, c'est le défi qu'on a pour demain, en fait. Et pour y arriver, en fait, il y a plusieurs scénarios qui ont été mis en place. Donc, voilà, là, en tout, il y a six scénarios. Alors, sur les scénarios de gauche, c'est 100 nouvelles constructions de réacteurs nucléaires de type EPR. Les simulations à droite, c'est avec la création de nouveaux réacteurs nucléaires de type EPR. Donc, jusqu'à 14 EPR. Donc, l'électricité, comment elle pourrait être produite demain si on n'utilise plus de centrales thermiques? Elle pourrait être produite par du nucléaire, mais également par du solaire photovoltaïque ou par de l'éolienne terrestre ou en mer. Quand vous regardez bien tous ces scénarios, en fait, même quand on utilise du nucléaire, on a toujours besoin de l'éolienne. En fait, on a besoin d'un mix énergétique, on a besoin de toutes les énergies pour pouvoir y arriver. Et on a besoin d'éoliennes terrestres, mais également d'éoliennes en mer, dans l'ensemble des scénarios. Et si on n'arrive pas à faire ce mix énergétique, on n'arrivera pas à décarboner l'énergie. On sera obligé de continuer à utiliser des énergies fossiles, et donc ça ira bah, contre le. Ça posera des problématiques au niveau du dérèglement climatique. Donc ça, c'est le défi qu'on a à relever pour demain. En se basant bah, sur un scénario ou sur l'autre parmi ces scénarios-là. Et si on regarde un petit peu plus dans le détail, alors aujourd'hui, sur l'éolienne en mer, on part de zéro, donc il n'y a pas de. Donc forcément, ce sera une augmentation. Et sur l'éolienne terrestre, bah, il faudra aussi les augmenter, alors au minimum, en fonction des scénarios, de 2,5 fois. Et ça va jusqu'à une augmentation de 4 fois en termes de puissance. Alors, je dis bien en termes de puissance, hein, parce que ce n'est pas forcément en termes de nombre de mâts, parce que les éoliennes de demain seront plus puissantes que les éoliennes d'aujourd'hui, donc il y aura besoin de moins d'éoliennes pour atteindre les mêmes niveaux de puissance. Voilà pour la partie déjà au niveau du potentiel, enfin, du marché de l'éolien, des objectifs, hein, de la répartition des éoliens. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des questions par rapport à ces éléments-là. Il y a pas de questions là dans le chat. Après, moi, par rapport à la figure que tu as montrée là sur les histogrammes pour l'évolution des projets, ça remontait à 2000. Est-ce que tu as une idée là des premières installations éoliennes raccordées au réseau? Elles sont arrivées quand en France? Tu sais ça? Ouais, bah alors là on voit l'histogramme, ça commence effectivement à partir des années 2000. On voit qu'il y avait les 21 mégawatts de puissance, hein, donc c'est déjà non 12 000 mégawatts de puissance, mais c'est ce qui est relativement peu, hein, c'est très peu d'éoliennes par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. On est à 187 000 mégawatts. Donc, il y avait peut-être quelques éoliennes au préalable, mais très peu, finalement. C'est vraiment des technologies qu'on a mises en place à partir depuis une vingtaine d'années, quoi. D'accord. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existait pas avant, quoi, parce que la technologie éolienne est connue de longue date, hein, quand même, quoi. OK.
Bah, on n'a pas de questions là, tu peux continuer sur l'aspect technique. On va parler du gisement éolien parce que ça, c'est vraiment la base de tout. Mettre des éoliennes, c'est bien joli, mais s'il n'y a pas de vent, ça ne sert à rien. Quoi. Donc, il faut mettre les éoliennes à des endroits où il y a du vent pour espérer pouvoir produire de l'électricité par la suite. Alors, tout d'abord, le vent, qu'est-ce que c'est? D'où est-ce que ça vient, le vent? Pourquoi est-ce qu'il y a des endroits où il y a plus de vent que d'autres? Et comment ça se produit, le vent? On parle souvent d'énergie éolienne, mais en réalité, l'énergie éolienne, c'est l'énergie solaire. Alors, je vous surprends peut-être un petit peu en disant ça, mais si j'explique ça pour, je dis ça pour pouvoir expliquer d'où vient le vent. Le vent, c'est produit en fait par des différences de température entre un endroit et un autre de la planète. Et parfois à quelques kilomètres ou à quelques centaines de kilomètres. Et ces différences de température, ça va faire des différences de pression. Et comme tout a tendance à s'uniformiser, ça va faire bouger des masses d'air. Ça va créer du vent. Donc finalement, le vent, ça ne vient pas de nulle part, ça vient du soleil. Il y a sur Terre hein, les énergies qui existent, les énergies réelles, on parle vraiment d'énergie primaire, il y a très peu d'énergie qui existe, c'est l'énergie solaire, l'énergie géothermique du centre de la Terre, et puis l'énergie des astres. Toutes les autres énergies que vous allez retrouver, hein, ça vient toujours de ces trois énergies-là. Donc les masses d'air, elles vont se déplacer du chaud vers le froid. Donc ça, c'est ce qui crée le vent. Après, une fois qu'on a du vent, il faut connaître la puissance disponible du vent. Est-ce qu'on a beaucoup de puissance ou pas beaucoup de puissance? Alors, il y a quelque chose qui nous semble assez évident à tous, c'est que ça veut dire bah, plus le vent va vite, plus il y a de vitesse de vent, plus je vais avoir de puissance à récupérer. Alors ça, c'est vrai. Alors, vous voyez une formule qui est un petit peu compliquée. P, c'est la puissance du vent. Mais ce qui nous intéresse, nous, on voit qu'elle est proportionnelle à la vitesse du vent, le V, là, qui est au cube. Alors, au cube, ça veut dire que c'est la vitesse du vent fois la vitesse du vent fois la vitesse du vent. C'est-à-dire que dès qu'on a un petit peu plus de vent, on a beaucoup plus de puissance éolienne à récupérer. Donc, les développeurs hein, de projets éoliens, ils vont vraiment chercher des sites où il y a parfois, on dit, ah, bah, c'est juste un petit peu plus de vent. Oui, c'est un petit peu plus de vent, mais derrière, c'est beaucoup plus de production électrique qu'on va avoir. Alors, c'est vrai que c'est proportionnel à la vitesse du vent au cube, et c'est proportionnel à autre chose également, à la surface du rotor. Alors, là, vous voyez une éolienne qui est dessinée là, avec ses trois pales. Et en fait, ce qui va compter, c'est toute la surface qui est balayée par les pales. L'éolienne va être capable de récupérer tout le vent qui arrive dans cette surface-là. En tournant, en fait, elle récupère l'intégralité de la puissance du vent qui traverse cette surface-là. Donc, plus le rayon de votre pale va être grand, ben, plus votre surface balayée va être grande, et plus vous allez récupérer de puissance et plus vous allez produire d'électricité. C'est pour ça aussi que la tendance aujourd'hui, notamment pour les grandes éoliennes, c'est d'avoir des éoliennes avec des grandes pales, avec des surfaces balayées qui soient la plus grande possible. Avec une éolienne, comme ça, on produit plus d'électricité. Donc ça, c'est la surface. Hein, ça, c'est la formule qu'on apprend tous quand on est au collège. Pi fois R au carré, donc la surface d'un disque. Et puis après, là, dans la formule, pour être exact, c'est en plus proportionnel à la masse volumique de l'air. Donc, ce qu'il faut se rappeler, hein, sur cette diapo-là, c'est que la puissance disponible, ça va être d'une part proportionnelle au cube de la vitesse du vent et deuxièmement au carré du diamètre du rotor. Sur ce graphique-là, donc en fait, ça représente la courbe de puissance d'une éolienne en fonction de la vitesse du vent. Alors, c'est marqué en anglais, je suis désolé, le wind speed, donc c'est la vitesse du vent en mètres par seconde. Et quand on regarde la courbe là, qui représente la puissance en kilowatts, là, on voit tout de suite que ce n'est pas proportionnel. Mais ça augmente très vite. Dès qu'on augmente un petit peu la vitesse de vent, on voit que la courbe de puissance s'emballe. Si on avait une courbe proportionnelle, ça ferait comme ça. Vous voyez la souris qui se déplace ici? Oui. Donc, ça ferait comme ça. Et là, on voit que là, ça augmente très vite.
Et puis à la fin, ça se stabilise. Alors pourquoi ça se stabilise? Donc ça, c'est système interne de l'éolienne qui va stabiliser sa puissance maximale pour éviter un emballement de l'éolienne. Il va limiter sa prise au vent. Alors, sur un terrain, il y a différents facteurs qui vont impacter la vitesse du vent. Donc, avoir une bonne vitesse du vent, elle va dépendre de la rugosité du terrain, de la hauteur de l'éolienne, des turbulences et puis de la forme du terrain. Donc, c'est ces quatre facteurs-là, en fait, qui vont permettre de déterminer la vitesse du vent, faire qu'on a des terrains, des endroits où il y a plus ou moins de vitesse du vent. Alors, la rugosité, qu'est-ce que c'est? Alors, on voit tous ce que c'est quand on a une surface rugueuse, on voit que ça frotte, on a du mal à, si on veut frotter avec la main, c'est la main, elle va avoir du mal à glisser, et ça va freiner les objets qui vont circuler sur cette surface rugueuse. Le vent, c'est pareil, c'est un objet alors qui est sous forme gazeuse, mais c'est un objet, c'est freiné par ces surfaces rugueuses-là. Donc, il y a différentes, en fonction des terrains, il y a différentes classes qui vont déterminer la rugosité du terrain. Alors, la classe 1, c'est la classe la moins rugueuse, et puis 8, c'est ce qui est le plus rugueux. Alors, quand vous êtes sur une mer ouverte, il n'y a aucun obstacle sur la mer, et c'est tout lisse. Et donc là, ça va être, c'est là où on aura le moins de rugosité sur le terrain. Puis après, on aura les terrains terrestres, mais qui sont plutôt plats, avec de la neige, il n'y a pas de végétation, pas d'obstacles. Puis après, avec des prairies avec des herbes, par exemple. Puis après, les cultures basses, les cultures élevées, un petit peu plus hautes, ça crée un peu plus de rugosité. Après, tout ce qui va être bocage, des terres clôturées, des buissons, d'augmente encore un peu la rugosité. Et puis, après, on arrive carrément sur des obstacles plus élevés, mais qui sont quand même réguliers, comme des forêts. Donc, les forêts, c'est une certaine rugosité qui va freiner le vent, ou des faubourgs. Et puis là, le cas le moins favorable, c'est les centres-villes avec des bâtiments hauts et des différentes hauteurs, donc qui va beaucoup freiner la vitesse du vent. Donc, autre point également, alors ce qu'on voit sur le graphique que vous avez en dessous, c'est que plus vous allez aller en hauteur, plus le vent va être fort. Alors, ce qui est normal, au niveau du terrain, en fait, il y a énormément de rugosité. Si vous mettez, même quand il y a du vent, si on veut se protéger du vent, qu'est-ce qu'on fait? On se couche sur le sol. Au niveau du sol, il n'y a pas de vent. Le vent s'arrête. Il est freiné par le terrain. Et puis, plus vous allez monter en hauteur, plus l'air va être libre et plus le vent va être important. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on veut optimiser la vitesse du vent, hein? Il vaut mettre sur un terrain qui est peu rugueux, sur les terrains plutôt plats, sur les plaines, ou bien pour le offshore, sur de la mer. Et puis on va essayer de mettre des mâts le plus haut possible. C'est pour ça que la tendance aussi, c'est d'augmenter la hauteur des mâts. Vous voyez que les éoliennes qu'on fait aujourd'hui, elles sont plus hautes que celles qu'on faisait il y a 20 ans, parce que la technologie le permet. Et on sait que plus on va aller haut, plus on sera capable d'avoir de la puissance et d'avoir de la production éolienne. Autre point qui est important également, c'est les zones de turbulence. Alors, les zones de turbulence, c'est créé par tous les obstacles qu'on va retrouver autour de l'éolienne. Typiquement, si vous avez une maison, autour de la maison, derrière la maison, vous allez avoir une zone de turbulence. Si je veux échapper de cette zone de turbulence, il faut que mon éolienne elle soit au moins deux fois la hauteur de l'obstacle, c'est-à-dire deux fois la hauteur de la maison. Si c'est un arbre, il faut que je sois deux fois la hauteur de l'arbre. Alors, ça, c'est une première possibilité, c'est une montée en hauteur, ou l'autre possibilité, c'est de s'éloigner de l'obstacle. Là, il faut que je m'éloigne au minimum 10 fois la hauteur de l'obstacle. Ça, c'est une problématique qu'on va retrouver plus notamment sur les petites éoliennes. Parce que on est parfois, souvent, les proches des maisons sur les petites éoliennes, et on a des hauteurs de mâts qui sont limitées. Typiquement à 12 mètres sur des mâts, on verra par la suite pour des raisons administratives, ou 12 mètres, on peut être au-dessus de deux fois la hauteur d'une maison. Mais on voit aussi parfois des éoliennes de pignon sur les maisons. Puis là, on va avoir du mal à être à deux fois la hauteur de la maison, parce que sinon, le mât sur le pignon de la maison, il va se vibrer, ça risque de poser des problèmes de structure sur la maison, donc on va limiter la hauteur.
Et du coup, on aura une production qui sera affectée, notamment par rapport à ces turbulences. Donc, ça, voilà, ça fait des baisses de production, mais ça peut aussi faire des vibrations, du bruit, et puis une usure prématurée de l'éolienne. Alors, pour déterminer la vitesse du vent, également, on peut se baser sur des cartes des vents. Alors ça, c'est reste vraiment une première approche. Donc voilà, on voit une carte des vents. Alors souvent, elles sont faites, c'est des vitesses de vent moyennes qui sont enregistrées à 50, 60 mètres d'altitude. Parfois, il y en a qui sont à 100 mètres de haut. Puis on voit qu'il y a des zones là, qui sont décidées. Ouais, sans surprise, hein, les zones les plus proches de la mer, c'est les zones les plus venteuses. Et puis, les zones plus à l'intérieur où il y a souvent moins le vent est ralenti hein, par les différents obstacles et la rugosité du terrain. Ces cartes-là, elles sont intéressantes en première approche, mais souvent, ce n'est pas suffisant pour pouvoir faire un projet éolien. Il va falloir faire une mesure de vent sur le site hein, qui sera indispensable pour connaître la vitesse de vent exacte sur le site. Alors, c'est des campagnes de mesure qui sont sur plusieurs mois, voire sur une année ou plus, quoi, avant de lancer un projet éolien. Alors, on voit un zoom, ce que c'est sur Oléron, où j'ai fait un petit zoom sur Oléron. Donc, c'est une étude qui avait été faite sur les vitesses de vent. On voit que la zone d'Oléron, forcément, elle est ventée aussi, parce que bon, c'est une île qui donne directement sur la mer. Donc, on voit notamment la pointe d'Oléron qui est bien venteuse. On retrouve le même phénomène hein, sur l'île de Ré. Donc les zones les plus proches de la mer sont également les plus venteuses. Jusque-là, je parlais de vitesse de vent, par contre, je vous parlais de vitesse moyenne du vent. Et pour retrouver en fait une production d'éolien, ce n'est pas suffisant. On ne fait pas la puissance de l'éolien multipliée par la vitesse moyenne, ça ne marche pas. Alors ça ne marche pas, pourquoi? Parce que c'est, comme je vous expliquais tout à l'heure, on n'est pas sur la puissance éolienne, c'est pas proportionnel à la vitesse du vent, mais c'est proportionnel à la vitesse du vent au cube. Donc, ce qui nous intéresse pour avoir beaucoup de production, c'est surtout d'avoir des vitesses élevées de vent. Par exemple, si vous avez une vitesse moyenne de 5 mètres par seconde, on pourrait être, donner un exemple simple, la moitié du temps où on n'a pas de vent, on a 0 mètre par seconde, et l'autre moitié du temps où on a 10 mètres par seconde. Ou bien on peut être toute l'année à 5 mètres par seconde. Dans ce cas-là, c'est la première configuration qui va produire le plus, avec la moitié du temps sans vent et l'autre moitié du temps à 10 mètres par seconde. Parce que à 10 mètres par seconde, la puissance du vent est beaucoup plus forte qu'à 5 mètres par seconde. Cette distribution du vent qu'on retrouve, qui est modélisée ici hein, sur les différentes courbes-là, elle va dépendre aussi beaucoup de la hauteur du mât. Et ce qu'on voit ici, on voit alors sur la courbe grise, c'est un mât qui est à faible hauteur, à 10 mètres de haut. On voit qu'il y a beaucoup de vent à basse vitesse. Et quand on arrive à 50 ou 100 mètres de hauteur, on voit que sur les périodes de fort vent, en fait, il y a beaucoup plus d'heures de vent par an avec des fortes vitesses de vent, ce qui fait qu'on a une production qui est beaucoup plus importante quand on augmente la hauteur hein, de la hauteur du mât. Donc, en résumé, hein, par rapport à la puissance disponible du vent, cette puissance du vent et le gisement éolien, ça va varier en fonction notamment de la hauteur du mât, de la vitesse du vent, de la surface du rotor, hein, c'est-à-dire de la surface balayée par les pales, hein, et puis de la rugosité du terrain. Et il faut être très vigilant également, notamment par rapport aux zones de turbulence, notamment pour les petites éoliennes, parce que ça provoque une baisse de la production, une usure prématurée du matériel. Dans tous les cas, quand on veut faire un projet éolien, que ce soit une petite ou une grande éolienne, hein, il faut commencer par faire une étude de vent préalable, de préférence par une mesure de vent sur le lieu d'implantation de la génératrice. Au minimum avec des simulations précises qui se basent sur des données météo. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette partie-là qui est un petit peu plus technique? Est-ce que vous avez réussi à tout suivre?
Tu as parlé de hauteur et de rayon. Du coup, les machines actuelles, on est dans quel ordre pour se faire une idée de ce qu'on Aujourd'hui, entend? c'est assez courant d'avoir pour des grandes éoliennes, hein, je parle pour des grandes éoliennes terrestres, d'avoir des mâts qui montent à 100 mètres de haut. Et ensuite, bah, quand on rajoute avec des pales de 50 mètres. Donc, en tout, en haut des pales, quoi, au plus haut, on peut arriver à 150 mètres de haut. Et une éolienne comme ça, vous pouvez déjà produire 3 mégawatts de puissance électrique. Et la tendance, c'est même d'aller encore plus haut quand c'est possible, quoi. On va arriver sur cette éolienne qui vont à 120 mètres, voire 150 mètres de haut. Et en mer, on peut Et avoir la possibilité de monter encore plus haut. Parce qu'il y a moins d'obstacles qui peuvent gêner. du coup, on atteint quelle hauteur, tu sais, en mer? En mer, chaque projet est un peu spécifique. Hein, c'est pour ça que c'est difficile de faire des moyennes sur la mer. Parce qu'il y a. Ça va dépendre, il va falloir, on parlera tout à l'heure, hein, dans le prochain chapitre, mais fixer quand même les éoliennes au niveau du socle, du fond marin, ça va dépendre, des profondeurs du socle, du fond marin, quoi. Mais on peut monter à 200 mètres 200 mètres de haut, hein, après, au-dessus du niveau de la mer. D'accord. Et il n'y a pas une limite physique au-delà de laquelle on ne peut pas récupérer l'énergie éolienne. J'ai un vieux souvenir. C'est plus on augmente le rayon, plus on peut se dire qu'on va récupérer l'énergie du vent. Il n'y a pas physiquement une limite. J'avais un vieux souvenir. C'est la loi de Betz qui s'appelle, on appelle ça comme ça. Donc, il y a une. En fait, c'est plus par rapport à la surface de l'éolienne, du rotor, il y a une puissance maximale qu'on ne peut pas dépasser. Mais après, plus on augmentera la surface, plus on pourra augmenter la puissance. Mais la limite qui existe, c'est-à-dire si j'ai une éolienne de telle surface, et qu'on m'indique que je peux mettre une génératrice derrière, c'est-à-dire une génératrice électrique très très puissante, mais à un moment ça sert à rien parce que de toute manière je pourrais jamais produire cette électricité-là, quoi. Donc il y a une limite électrique en termes de puissance électrique, mais pas en termes de surface elle-même. Potentiellement on peut toujours augmenter. Après il y a des limites évidemment en termes de construction, on ne va pas faire. Il y a des limites il faut que l'éolienne tienne au niveau du sol, il faut quand même qu'il y ait des fondations qui puissent maintenir l'éolienne pour pas que ça bouge et pour que ça tienne dans la durée, qu'il n'y ait pas de risque par rapport à ça. D'accord. Il y a une question sur les éoliennes axe vertical, mais ça, tu vas en parler par la suite. Et une question sur la vitesse maximale à partir de laquelle les éoliennes doivent être mises à l'arrêt. Est-ce que tu as un chiffre en tête? Après, ça va dépendre de le ça dépendra de la technologie de chaque éolienne, hein. Chaque fabricant pourra déterminer cette vitesse maximale. Souvent on voit les courbes, notamment sur les petites éoliennes au-dessus de 12 mètres par seconde. Normalement ils vont pas plus vite, stabilisent la puissance, en fait. Et puis quand on arrive vraiment des vitesses trop élevées, en fait, vos éoliennes, elles vont s'arrêter, on va les arrêter. Et là, elles vont se mettre en drapeau, ce qu'on appelle se mettre en drapeau, c'est-à-dire qu'elles vont limiter la prise au vent. On va voir après une éolienne, hein, pour pouvoir récupérer la puissance maximale, il faut qu'elle se mette devant le vent. Si elle se met perpendiculaire au vent, elle ne récupère rien du tout, et puis là, elle va s'arrêter. Donc, mais D'accord. je reparlerai dans le chapitre d'après, dans ce cas-là, quoi. OK. Il y a peut-être d'autres questions aussi qui étaient sur le forum, quoi. Non, il n'y avait rien d'autre, donc tu peux continuer ta présentation. Alors, pour pouvoir un peu expliquer, hein, comment ça fonctionne au niveau technique, donc là vous voyez un zoom, hein, sur la nacelle et sur les pales, sur le schéma de droite. Donc, dans la nacelle, c'est ce qu'on retrouve en haut de l'éolienne. Sur la nacelle, déjà, elles sont fixées les pales autour d'un moyeu. Donc, ça va tourner, puis ça va faire entraîner un arbre primaire, en fait,
et qui après, derrière, une genre de boîte de vitesse, un multiplicateur, hein, qui va lui-même faire tourner la génératrice. Une génératrice, qu'est-ce que c'est? Vous avez tous vu des moteurs électriques. Une génératrice, c'est comme un moteur électrique, sauf que ça fonctionne à l'envers. Moteur électrique, c'est quoi l'objectif? C'est à partir de l'énergie électrique de créer une énergie mécanique. Là, c'est l'inverse. On a une énergie mécanique, on va faire tourner la génératrice et on va créer un courant électrique. Donc tout ça va falloir. Souvent, il y a des systèmes de refroidissement, notamment sur les grandes éoliennes. Il y a des contrôleurs, il y a un petit peu d'électronique quand même dans tout ça. Et puis, il y a des systèmes d'orientation. Vous voyez ici sur le schéma. Et effectivement, votre nacelle, en fait, elle va tourner pour toujours se mettre face au vent. Éventuellement, pour certaines technologies, dos au vent. En général, c'est face au vent. C'est-à-dire qu'il faut que le vent arrive face à l'éolienne pour pouvoir récupérer le maximum d'énergie. Et qu'est-ce qu'elle peut faire, l'éolienne? Alors aussi, on voit ici, il y a une orientation des pales qui est possible. Donc, elle va orienter aussi ses pales. Une pale, c'est un petit peu comme une aile d'avion. C'est le même profilé qu'une aile d'avion. Donc, il faut qu'elle soit bien orientée pour pouvoir récupérer le maximum d'énergie et faire tourner l'éolienne correctement. Quand on veut arrêter l'éolienne, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit de tourner les pales. On tourne les pales, il n'y a plus de prise au vent. Et l'éolienne va s'arrêter de tourner. Donc, quand il y a une tempête, qu'est-ce qui se passe? On met l'éolienne en drapeau, ce qu'on appelle en drapeau. Pourquoi en drapeau? Comme un drapeau, lui, il est dans le vent. Il nous indique toujours le sens du vent. Donc, pour ça qu'on dit mettre l'éolienne en drapeau. L'éolienne va s'arrêter de tourner et ça va éviter des risques par rapport à ça. Mais ça, c'est des. Alors, ça se fait de manière. Sur des grandes éoliennes, comme sur le schéma ici, ça se fait de manière électrique. Hein, c'est des moteurs qui vont orienter les pales. Après, vous avez sur des petites éoliennes des systèmes parfois mécaniques qui font que si la vitesse de vent augmente, ça va automatiquement tourner les pales, voire faire basculer la nacelle pour qu'il n'y ait plus de prise au vent. Alors, en Europe, sur des grandes éoliennes, si les technologies qui existent. Après, quand vous allez sur des zones tropicales, il existe aussi des éoliennes qu'on peut coucher carrément, quoi. Alors ça, c'est parce ils ont tout le temps des ouragans, quoi. Donc, pour protéger les éoliennes, il y a des technologies qui existent. Alors là, carrément, ils couchent l'éolienne, quoi. Donc, ils la mettent par terre, quoi. Et puis, ils la relèvent une fois que la tempête est passée, quoi. Mais ça, on ne retrouve pas ça dans nos régions, quoi. Quand on revient sur le schéma central ici, donc là, je vous ai montré donc, ce qui était donc le rotor avec les pales, le moyeu, puis la génératrice. Et tout ça va être relié électriquement. Vous avez un câble électrique qui va descendre tout au long du mât. Puis derrière, vous allez avoir un transformateur. Pourquoi il y a un transformateur? L'éolienne, elle va produire un courant électrique triphasé, d'ailleurs, qui est courant alternatif, hein. Comme le nôtre, mais par contre, il n'a pas le même niveau de tension, il n'a pas le même niveau de fréquence que notre courant électrique. Donc, si on veut qu'il soit adapté au réseau, on va avoir besoin d'un transformateur pour pouvoir adapter notamment la tension et puis la fréquence de notre réseau. Et puis, depuis ici, donc on va partir alors, sur les grandes éoliennes, vous allez voir des câbles qui vont être enterrés. Ils sont toujours enterrés, les câbles en sortie des éoliennes. Contrairement aux autres centrales électriques traditionnelles. Et puis, on va aller jusqu'à ce qu'on appelle un poste source. Un poste source, c'est l'endroit où vous avez plein de transformateurs d'électricité pour passer directement sur les câbles, sur les lignes de très haute tension. Donc, parfois, il peut être à côté, mais parfois, il peut être très loin. Et ça va jouer aussi sur la rentabilité des projets. Les développeurs essayent d'être proches des postes sources parce que s'il faut faire 30 km de tranchées pour arriver au niveau des postes sources, ça coûte très cher. Et plus on se rapproche des postes sources, plus le projet sera rentable. Il y a un coût aussi hein, qui est important sur les câbles électriques. Ça sera vrai évidemment aussi au niveau des éoliennes offshore qui ont souvent des câbles électriques, alors là qui sont sous-marins.
mais sur des longueurs qui sont assez importantes. Alors, sur des petites éoliennes, évidemment, pas de poste source, là, on va se raccorder directement au frais électrique de la maison. Puis, vous avez des onduleurs. Alors, ce n'est pas un transformateur, c'est un onduleur. On va appeler ça un onduleur sur des petites éoliennes. Et on va se raccorder directement au tableau électrique de la maison pour faire de l'autoconsommation. Alors, différents types d'éoliennes. Effectivement, alors, les éoliennes, notamment les grandes éoliennes, il faut aussi les petites éoliennes traditionnelles, c'est les éoliennes à axe horizontal. Donc, elles ont cette forme-là, celle qu'on a le plus l'habitude de voir. Donc, qu'est-ce qui va entraîner la rotation de l'éolienne? C'est la force qu'on appelle la portance. Puis après, vous avez les éoliennes, d'autres types d'éoliennes, qui ont des formes un peu particulières parfois, qui sont les éoliennes à axe vertical. Alors, notamment les types Darius, qui sont aussi entraînés par la portance, mais qui ont souvent des formes originales, qui sont un petit peu esthétiques comme ça, qui peuvent être assez jolies. Et puis d'autres types qui sont un peu plus simples, ce qu'on appelle les axes verticaux, mais de type Savonus, eux qui, elles, qui vont être entraînées par une autre force qui est liée au vent, qui s'appelle la poussée. Et là, on voit le vent va pousser là dans les pales qu'on retrouve ici. C'est un peu le principe d'un anémomètre. Il y a un anémomètre de poche, c'est des petites alvéoles qu'on voit comme ça qui sont entraînées par la force de poussée de l'éolienne. Donc ça, c'est les différents types d'éoliennes qu'on peut retrouver pour fabriquer de l'électricité. Alors, chacune a ses avantages, ses inconvénients. Celle qu'on retrouve le plus souvent, c'est l'éolienne à axe horizontal. Alors, pourquoi? Parce que c'est simplement c'est celle qui a le meilleur rendement. Et donc c'est là où on va produire le plus d'électricité. Et puis c'est là aussi où on connaît mieux la technologie, donc une maturité de la technologie. Les éoliennes à axe vertical, elles ont beaucoup été développées, notamment pour les petites éoliennes, notamment dans l'urbain, notamment en raison de leur compacité. Ça prend moins de place. Donc ça, c'est un avantage dans l'urbain. Et puis, il n'y a pas de contrainte sur la direction du vent. Comme dans l'urbain, on est dans des zones où il y a plus de turbulences, le vent peut partir un petit peu dans tous les sens. Ça permet, elle n'a pas besoin de se réorienter à chaque fois face au vent. Et donc, ça permet d'avoir parfois des rendements un petit peu meilleurs que sur l'horizontale dans ce cas-là. J'ai dit avec certaines limites, parce que dans tous les cas, les turbulences, c'est mauvais pour le fonctionnement d'une éolienne. Alors même pour des éoliennes axes verticales, il faut essayer de les mettre en dehors des zones de turbulence. Par contre, les contraintes qu'elles ont, ces éoliennes-là, c'est qu'elles ont un rendement qui est moins important. Puis dans le cas de la type Darius, celle qui est la plus jolie, là, vous avez aussi un démarrage qui parfois est difficile. Certaines éoliennes, on est même obligé de les lancer. Une fois qu'elles sont lancées, elles tombent toutes seules, mais parfois on est obligé de les lancer au démarrage. Alors, idéalement, je vous ai dit tout à l'heure, il faut éviter de mettre les éoliennes sur les pignons, donc on va les mettre plutôt sur des mâts. Vous avez différents types de mâts qui existent. Alors, le plus courant, c'est celui que vous voyez au milieu, c'est le mât tubulaire autoportant, qui aujourd'hui est généralisé sur les grandes éoliennes, qu'on peut retrouver aussi sur des petites éoliennes. Mais on peut aussi retrouver des mâts treillis autoportants de ce type-là. Des mâts qu'on retrouve souvent sur des pylônes électriques, mais ça peut être aussi utilisé pour mettre des éoliennes. On trouve beaucoup des supports de ce type-là aux États-Unis, notamment. Vous avez dû tous voir les éoliennes de puits. Alors, on en voit en France, mais on en a beaucoup aussi aux États-Unis pour pouvoir puiser de l'eau. Et on les voit souvent avec ce type de mât, ce mât treillis. Alors, les éoliennes de puits, pour puiser de l'eau, c'est aussi des éoliennes, mais ça ne fait pas d'électricité. Directement, on utilise directement la force mécanique. Et puis, troisième possibilité, c'est d'avoir des mâts tubulaires aubanés. Alors, l'avantage de ce type de mât, c'est qu'il y a besoin de beaucoup moins de fondation parce que le tube est beaucoup plus fin. Par contre, ça va prendre beaucoup plus de place sur le terrain parce qu'il va falloir pouvoir installer les haubans.
Alors ça, c'est adapté quand même pour des éoliennes, des petites éoliennes qui ont un poids limité. Sur des grosses éoliennes, c'est un peu compliqué de mettre ce type de mât. Au niveau offshore, ce qui existe aujourd'hui, ce sont essentiellement des éoliennes fixées au sol. Alors pour les fixer au sol, hein, il y a différentes possibilités. Soit alors faut aller déjà au fond de la mer, soit on va faire des pieux souterrains pour fixer l'éolienne. Soit on aura des structures un peu type comme on a voyé précédemment là, un peu des structures treillis, on appelle jacket ici, quoi. Ou soit également bah, des systèmes tubulaires. Avec et là, faut mettre aussi bah, des fondations au niveau souterrain qui soient suffisamment importantes pour pouvoir tenir l'éolienne. Donc, pour ça que les éoliennes, pour l'emplacement des éoliennes offshore, bah, en général, on cherche des endroits où le fond marin n'est pas trop profond, quoi. Si on arrive au milieu de la mer Méditerranée où il y a à 3 km de profondeur, c'est un peu compliqué de mettre des éoliennes, quoi. Qui sont relativement proches aussi des côtes, parce que plus on s'éloigne en mer, en général, plus le fond sous-marin est profond. Et puis, il existe aussi ce qu'on appelle des éoliennes flottantes. Ce n'est pas très courant encore aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est en développement, mais ça peut présenter bah, un intérêt qui est intéressant dans l'avenir, notamment au niveau des fondations qui sont moins importantes, puis là elles sont fixées avec des câbles en fait. C'est avec des câbles aussi dans les fonds marins. Et puis on a une structure ici qui va flotter au-dessus de la mer. Alors, dans tous les cas de figure, derrière, vous allez avoir des câbles électriques hein, qui devront passer dans les fonds marins et puis être reliés jusqu'au bah, jusqu'au continent hein, pour pouvoir injecter l'électricité sur le réseau. Est-ce que vous avez des questions sur ces aspects un peu plus techniques, sur la technologie? Est-ce que ça répond aussi aux questions précédentes? Il y avait une question sur le rapport entre la surface et la puissance, mais là je vais renvoyer à la formule que tu as présentée au début de la présentation, puisque c'était voilà, c'est la réponse, je Directement pense. proportionnel à la surface, en fait, à la surface du rotor, quoi. Il y avait aussi une demande de comparatif du coût du gigawattheure produit. Je crois que tu as ça dans la suite de ta présentation. Ouais, on va reparler tout à l'heure. Ouais. C'est intéressant parce que c'est aussi le nerf de la guerre, hein, l'aspect économique, combien ça va coûter hein, la production d'énergie, qui pourrait être différente évidemment si on est sur l'éolienne terrestre, sur l'éolienne offshore. Plus important sur l'éolien offshore et puis on peut comparer au nucléaire. Alors sur le nucléaire, il faut faire attention aussi, faut prendre en compte tous les coûts du nucléaire, pas uniquement le coût de fonctionnement, mais aussi le coût de fabrication, les coûts de maintenance des centrales nucléaires, les coûts de démantèlement et puis le coût de traitement des déchets sur le nucléaire, qui font qu'aujourd'hui, on voit sur les nouvelles centrales nucléaires de type EPR, on a des coûts qui sont parfois bah, plus élevés que que ce qu'on avait l'impression qu'il y avait sur le nucléaire par le passé, bah, parce qu'on est obligé de prendre tout ça en compte, notamment quand on le vend à l'étranger. Tant qu'on le fait chez nous, en France, on peut prendre en charge une partie par les impôts. On n'est pas obligé de tout mettre sur la facture d'électricité. On a cette possibilité-là. Par contre, quand on le voit à l'étranger, évidemment, ce n'est pas la facture des Français, enfin j'espère, qui va payer les centrales à l'étranger. Donc, on pourra en reparler un petit peu tout à l'heure quand je vais parler des coûts des installations, notamment. D'accord? Ouais, et juste là sur les petites éoliennes que tu as montré, l'axe vertical, de ton point de vue, est-ce que c'est pertinent de développer ce type de procédé? Parce que c'est vrai qu'on en voit très peu, et ça paraît beaucoup plus facile. Alors, sur la petite éolienne, disons qu'on a
une production qui peut être, on va voir aussi tout à l'heure en termes de production, parce que c'est lié aux aspects économiques, qui peut être intéressante à condition d'avoir toujours du vent, quoi. Donc il faut les installer dans des endroits le plus haut possible, en dehors des zones de turbulence. Ça, c'est toujours la base, quoi. Donc moi, si on parle d'éoliennes sur les pignons des maisons, je recommande pas, quoi. Il y a des études qui ont été faites où on a vu qu'il y avait des productions qui étaient très faibles par rapport à ce qui était attendu. Alors, si c'est pour avoir un peu d'électricité dans une cabane qui est isolée au réseau, pourquoi pas, quoi. Mais souvent, on aura du mal à avoir une part importante, hein, par rapport à la consommation électrique des foyers. Donc, dans tous les cas, il faut essayer de les installer sur des mâts et le plus haut possible, que ce soit de l'éolienne à axe vertical ou à axe horizontal. Ça, c'est la même règle pour toutes les éoliennes. Après, sur l'horizontale, il y en a qui prônent ce type d'éolienne par rapport à l'orientation du vent, notamment dans les zones urbaines. Je pense que dans tous les cas, une éolienne axe horizontal produira, si elle est bien installée à un endroit, c'est-à-dire où il n'y a pas de turbulence, là où ça doit être installé une éolienne, elle produira plus qu'une axe verticale. Ceci dit, voilà, c'est des technologies qui ont tout à fait leur part, hein, tout à fait exister dans le marché. Puis après, l'aspect esthétique, ça peut aussi jouer, hein, sur soit une entreprise pour l'aspect communication, ou si c'est un particulier par rapport à l'esthétique de l'éolienne, ça me choque pas qu'on puisse prendre ça en compte également. D'accord. Ok. Bah, écoute, je te laisse poursuivre, Edouard. Alors sur les aspects économiques, administratifs, alors déjà il y a des règles d'urbanisme qui sont respectées, on ne met pas une éolienne comme on veut, quoi. Et ces règles d'urbanisme, elles vont dépendre de la hauteur du mât. Donc ce n'est pas la puissance de l'éolienne qui joue, c'est vraiment la hauteur de l'éolienne. Alors pour les petites éoliennes, typiquement chez les particuliers ou une petite entreprise, il y a peu de règles d'urbanisme. Si ce n'est quand on est en périmètre classé où la déclaration préalable de travaux est obligatoire. En dehors des zones classées, il n'y a pas besoin de faire de déclaration préalable de travaux. Par contre, derrière, si vous n'êtes pas sur un site isolé, donc soit vous faites de l'autoconsommation, soit de la vente d'électricité, obligatoirement, il faudra faire une demande de raccordement auprès des MEDIFS. Et puis également, il faudra valider l'installation, la sécurité électrique de l'installation avec un consuel, dès qu'on est raccordé au réseau. Après, on va retrouver des éoliennes de taille intermédiaire, entre 12 et 50 mètres de haut. Là, on est obligé de passer sur un permis de construire, qui sera accompagné notamment d'une notice d'impact, d'une demande de raccordement, et les installations doivent être déclarées comme ICPE. Donc là, les démarches sont déjà beaucoup plus lourdes. Alors, ce qui est parfois dommage, hein, sur des petites éoliennes, parce que à 50 mètres de haut, on n'est pas encore sur le marché des grandes éoliennes qui vont être beaucoup plus hautes que ça. Par contre, on peut être sur des sites, par exemple, des sites agricoles, des sites industriels, qui voudraient avoir une part de production éolienne, ils sont souvent freinés par ces démarches administratives qui sont assez longues, assez complexes à mettre en œuvre, et d'où la tentation de se limiter à 12 mètres de hauteur avec des productions qui soient inférieures à ce qui puisse être espéré sur le site. Et puis après, au-delà de 50 mètres, alors là, c'est beaucoup plus réglementé. On est vraiment sur des grandes éoliennes. Donc, c'est un permis de construire, évidemment, mais qui doit être accompagné d'une étude d'impact, d'une enquête et d'une enquête publique. Donc, ça, c'est une part lourde du dossier, hein. Ça prend des années, hein, de faire un projet éolien. Entre le moment où on dit, tiens, mais pourquoi pas mettre une éolienne ici, on trouve tous les accords avec les propriétaires du terrain, avec la collectivité, on dit le projet est intéressant, ça peut. Et avant le raccordement d'éoliennes, ça peut durer 5 à 10 ans. Donc aujourd'hui, on met en service des projets qui ont été pensés il y a déjà des années. Et donc ça, c'est tout l'enjeu aussi
de réussir à réduire ces délais-là, mais tout en gardant quand même ces garde-fous, parce que l'étude d'impact et l'enquête publique, elles sont pas là pour rien non plus. Il faut pas faire n'importe quoi non plus sur les éoliennes. Dans tous les cas, il y aura des distances minimales à respecter par rapport aux habitations qui seront de 500 mètres. On ne pourra pas avoir une éolienne à moins de 500 mètres, une grande éolienne à moins de 500 mètres des habitations. Puis après, il y a des démarches au niveau de la demande de raccordement également, qui sont aussi beaucoup plus complexes hein, sur ces puissances-là. On parle de mégawatts hein, d'installation. Et puis les déclarations ICPE aussi à mettre en place. Quoi. Donc ça, c'est un résumé hein, des différentes démarches administratives. Ensuite, qu'est-ce qu'on en fait de l'électricité? Alors, je commençais déjà à en parler un petit peu avant. Soit on est sur des petites, des moyennes éoliennes, et puis on va chercher à autoconsommer directement l'électricité produite. Alors, soit on a une consommation qui est importante, on arrive à tout autoconsommer, là on fait l'autoconsommation totale, ou soit on peut décider de vendre le surplus. On se dit, bah, parfois, je vais produire plus que ce que je consomme. Dans ce cas-là, bah, je peux décider de vendre le surplus. Alors, la différence du photovoltaïque sur des petites éoliennes ou petites et moyennes éoliennes, il n'y a pas de tarif d'achat qui existe. On avait par le passé, il n'y en a plus aujourd'hui. Donc, si je veux vendre le surplus, il faut que je fasse un contrat d'achat sur le marché libre. Donc, il y a quelques opérateurs qui rachètent l'électricité produite. Par exemple, vous avez Enercoop, qui est une coopérative, qui est un fournisseur d'énergie, mais sous forme de coopérative et qui fait que de l'énergie renouvelable. Il y a des personnes qui achètent leur électricité auprès d'Enercoop, c'est un choix parce que c'est pas forcément moins cher que sur le tarif réglementé, mais parce qu'ils veulent faire, ils veulent avoir cette démarche-là de faire que de l'énergie renouvelable. Et dans ces cas-là, ils peuvent leur proposer de leur racheter aussi leur production éolienne s'ils ont une production éolienne. Donc ça peut être des solutions intéressantes. Et sinon, si on décide de faire que de l'autoconsommation sans vente de surplus, souvent elle va être obligée de passer par des systèmes de stockage parce que comme la production d'électricité sur l'éolienne elle n'est pas une production constante, elle est intermittente et puis il y a des moments où je vais produire beaucoup plus, dès que je vais avoir un petit peu plus de vent, je vais produire beaucoup plus et probablement plus que ma consommation à ce moment-là quoi. Et après il va y avoir des moments où j'aurai moins de vent et beaucoup moins, là je consommerai plus. Donc il peut y avoir un intérêt pour, si on va essayer d'optimiser l'autoconsommation, à avoir des systèmes de stockage. Et, donc là, il faut faire des études pour voir comment le dimensionner au mieux. Là, on est vraiment sur des petites éoliennes, moyennes éoliennes. Moyennes éoliennes, on peut aussi éventuellement envisager aujourd'hui ce qui est possible de faire des autoconsommations collectives. C'est-à-dire à partir d'une seule éolienne, bah, autoconsommer sur plusieurs bâtiments qui sont autour. Donc ça, c'est autoconsommation collective, des choses qui commencent à se mettre en place. On a fait des projets sur du photovoltaïque, pas encore sur une éolienne avec ça, mais pourquoi pas, c'est éventuellement envisageable aussi. Dès qu'on va passer sur des plus grandes éoliennes, on va passer sur la vente de la totalité de l'électricité. Donc il y a comment ça marche aujourd'hui hein, pour les grandes éoliennes, il y a des appels d'offres qui existent. Pareil, on fait pas des projets de grande éolienne comme ça comme on veut. En fait, il y a des objectifs, il y a des appels d'offres de la CRE, Commission de régulation de l'énergie, pour pouvoir qui donne des objectifs de développement des grandes éoliennes en termes de puissance. Et chacun va proposer des projets, tous les développeurs, et vont regarder et dire bah, moi, pour rentabiliser mon éolienne, il me faudrait que je puisse vendre l'électricité à minimum ce prix-là. Et puis ensuite, donc ils vont proposer ce projet-là. Et si c'est plus le prix sera bas, plus le projet aura de chances d'être sélectionné. Et ensuite, bah, le marché de l'électricité, la vente d'électricité, bah, ça varie tout le temps. Quoi. Alors en ce moment, vous avez tous constaté, le prix de l'électricité est très haut sur le marché libre. Quoi. Et par le passé, parfois, il pouvait être beaucoup plus bas. Quoi. Et trop bas pour rentabiliser le projet éolien. Donc, au moment où il était plus bas, il y avait un mois où il était trop bas, par exemple, bah, dans ce cas-là, on venait
l'État venait compléter pour atteindre le tarif minimum souhaité. S'il était plus haut, par contre, que le tarif qui a été indiqué, dans ce cas-là, il n'y a pas de complément de rémunération, il se déroule tout seul sur le marché libre. En ce moment, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de... Le complément de rémunération ne doit pas beaucoup fonctionner parce que les tarifs d'électricité sur le marché libre sont très, très élevés. Voilà comment ça fonctionne au niveau de l'injection sur le réseau. Edouard, juste un second là, parce que le temps tourne, donc méfie-toi là. On a encore 10 minutes, quoi. 10 petites minutes, je pense. Un petit peu accéléré. Au niveau des coûts des éoliennes, petites éoliennes, hein, 2 kW, vous êtes sur 12, 15 000 euros. Si, puis on voit, en fonction, en augmentant la puissance, on peut arriver jusqu'à 40 000 euros pour les 10 kW. Ça, c'est des mâts à 12 mètres de hauteur. Et puis, si vous augmentez la hauteur de mât, par exemple, à 24 mètres, on va rajouter 3 à 5 000 euros. Par contre, vous aurez des permis de construire à rajouter en plus. Et puis, bah, des puissances un peu plus élevées, 36 kW, là, on peut arriver à presque 100 000 euros. Après, sur des grandes, c'est pas proportionnel à la puissance non plus, hein. Les grandes éoliennes, il y a vraiment des économies d'échelle qui sont faites. Et on est sur un ordre de grandeur de 1 million d'euros par mégawatt-heure, par mégawatt installé. En termes de production également, une petite éolienne comptait environ une production de 1000 kWh par kilowatt installé. Plus vous allez monter la hauteur de l'éolienne, vous voyez, si on est à 18 à 50 mètres, on peut arriver à 2000 kWh par kilowatt installé. Puis les grandes éoliennes, là, on va être même jusqu'à 2500. Et en éolienne offshore, là, on peut carrément arriver à 3-4000 kWh par kilowatt, parce que là, il n'y a pas d'obstacle et on peut vraiment beaucoup produire. Pour vous donner un ordre de grandeur, un parc éolien de 3 éoliennes terrestres de 3 MW, ça va produire environ 18 000 MWh par an. Ça correspond à la consommation de plus de 5 000 foyers. Donc ça peut monter très vite. Un point sur les aspects environnementaux aussi. Donc, je vais essayer d'enchaîner. Des choses qui sont importantes. Quand on fait une éolienne, alors déjà, pour être clair, l'énergie qui a le moins d'impact écologique, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Toujours économie d'énergie en plus. Donc ça, c'est vraiment la base de tout. Après, bah, on a quand même besoin d'énergie, on essaie d'avoir une énergie qui a un impact le plus faible possible. Ce qui est important, c'est vraiment de regarder l'analyse du cycle de vie. Ce n'est pas que la production. Alors la production sur l'éolienne, c'est génial, hein, parce que le CO2 émis, c'est zéro, quoi. On fait de l'énergie électrique avec le vent uniquement. Par contre, cette éolienne, bah, il a fallu la fabriquer, sortir les matières premières. Il y a eu du transport, il y a eu de la fabrication, il y a eu du montage. Et puis à la fin, il y a du recyclage. Donc en fait, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est de faire un bilan de tout ça, de regarder là, combien de kilowattheures je vais produire avec mes éoliennes pendant leur durée de vie et quelle quantité de CO2 on aura émis pour pouvoir produire ces kilowattheures-là. Donc pour des éoliennes terrestres, on sera, alors il y a des études qui avaient été faites, hein, sur 12,7 g de CO2 par kilowattheure et 14,8 g pour des éoliennes en mer, ce qui est très faible, hein. Vous allez voir par la suite, je vais vous donner des ordres de grandeur de comparaison. Vous voyez, quand on est sur du gaz naturel, on est sur du 469 g de CO2 par kilowattheure. En moyenne, en Europe, on est à 487 g de CO2. Et puis sur le pétrole, charbon, on est encore largement au-dessus. Donc vous voyez, quand on est sur l'éolienne, ici, on est vraiment, vraiment très faible. Sur le nucléaire, vous voyez, on est un petit peu, même, on est même plus bas que le nucléaire, quoi. On est, au nucléaire, on est à 16. Photovoltaïque, on est relativement bas également, quoi. Même en France, en moyenne, on a 90 grammes de CO2 par kilowattheure. Le recyclage, hein. Les éoliennes terrestres, elles se recyclent, elles sont recyclables. 93% des éoliennes sont recyclables. C'est quoi? C'est de l'acier, c'est du béton, c'est du cuivre, c'est de l'aluminium. Tout ça, on sait le recycler. Et ce qui est important, c'est derrière, c'est de le faire également. Donc, il y a des règles qui existent.
En fait, on est obligé, hein, depuis le 1er juillet 2022, toutes les éoliennes existantes démantelées doivent être un minimum recyclées à 90% de la masse totale. Et puis, 35% de la masse des rotors doivent être réutilisés ou recyclés. Ce qui est le plus difficile à recycler, c'est les pales. On a un petit peu plus de mal à recycler. Mais il y a des objectifs également à l'avenir. En 2024, c'est 95% de la masse totale. Et puis, dès 2023, c'est 45% du rotor qui doit être recyclé. Et même 55% en 2025. Donc, de mettre ces règles-là, ça va aussi pousser à créer des filières de recyclage de l'ensemble des machines et des aérogénérateurs. Et le démantèlement, ça va inclure aussi la remise en état des terrains. C'est-à-dire le béton, va falloir le retirer, les fondations, les câbles aussi autour des éoliennes, pouvoir les retirer pour pouvoir remettre en état les éoliennes si par la suite on décide de ne pas remettre d'éoliennes sur le terrain. Donc il y a des obligations par rapport à tout ça. Des questions qui reviennent également sur le bruit. On dit souvent les éoliennes, c'est bruyant. Alors, ce qui est important déjà dans un premier temps, c'est quand on parle de bruit, c'est l'émergence acoustique. C'est-à-dire, c'est le bruit par rapport au bruit de fond, au bruit d'ambiance. En sachant que l'éolienne fait un peu plus de bruit quand elle tourne plus vite, mais qu'il y a aussi plus de bruit de fond parce qu'il y a plus de vent. Le bruit sur les nouvelles éoliennes a été largement réduit par rapport à des éoliennes qui auraient d'anciennes générations des années 90, par exemple. Mais il reste toujours un bruit de fond qui est principalement sur des basses fréquences entre 20 et 100 Hz. Quand on a 500 mètres de distance d'une éolienne, donc ça c'est la distance minimum pour les habitations. En général, la pression acoustique est inférieure à 500, à 35, pardon, à 35 décibels. 35 décibels, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est une conversation à voix basse. Donc, c'est vraiment, vraiment très bas. Si vous prenez un sonomètre et que vous le mettez dehors, même si vous ne dites rien, très souvent, vous allez être au-dessus de 35 décibels en journée. Et puis, ça peut être aussi l'origine d'infrasons. Donc, alors, il y a les ultrasons qui existent, les infrasons, hein, c'est de l'autre côté, mais qui sont également à des niveaux qui sont très faibles et pour provoquer des gènes et encore moins un danger. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, il y a également les infrasons qui sont émis par notre propre organisme, hein, les battements cardiaques, la respiration, sont plus intenses que ceux qui sont transmis par une éolienne. Voilà au niveau des questions environnementales. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Je crois qu'il y a la question là, sur le coût de l'énergie. Il n'était pas forcément. Alors, il y a des termes de coût hein, qui apparaissent ici, quoi. Après, il n'y avait pas le coût par kilowattheure exactement. Évidemment, plus l'éolienne va produire, plus le coût du kilowattheure sera faible. C'est un rapport entre le coût d'installation. Vraiment le nombre de kilowattheures produits hein, sur la durée de vie de l'éolienne. Et si on compare par rapport au nucléaire, en tout cas par rapport aux EPR, aux nouveaux nucléaires, on va dire, qui ont des coûts qui sont quand même plus élevés quoi, que les anciennes technologies, quoi, on retrouve des coûts estimés sur des coûts du kilowattheure éolien inférieurs hein, au coût du kilowattheure nucléaire. Après, c'est des technologies qui sont un petit peu, voilà, qui sont un peu différentes et qui ne répondent pas forcément toujours aux mêmes besoins. Parce que l'éolien, c'est des productions qui sont intermittentes. Alors, c'est toujours compensé un petit peu parce que comme tout le réseau est lié, quand on produit, si par exemple je ne produis pas ici parce qu'il n'y a pas de vent, à 100 km, je peux avoir du vent et avoir une production aussi. Donc, ce qui permet aussi de lisser un petit peu la production au niveau du réseau électrique. Mais ça reste quand même intermittent, tandis que le nucléaire, c'est une production qui est tout le temps stable. Donc ça a des avantages et des inconvénients à une production stable. L'avantage, c'est qu'on a toujours de l'énergie. L'inconvénient, c'est que parfois, on a trop d'énergie. On est obligé de la vendre aux voisins, quoi. Et parfois, on n'en a pas assez.
Et puis là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas assez d'énergie? On ne peut pas augmenter la puissance, hein, d'une centrale nucléaire. Donc, on complète par d'autres types d'énergie qui peuvent être, par exemple, des centrales thermiques aujourd'hui et qui pourraient être aussi demain, bah, des éoliennes. Puis on aura des éoliennes pour augmenter la puissance s'il y a du vent, avec les éoliennes ou du photovoltaïque si on est en journée. Donc voilà pour les questions du coût du kilowattheure. Vous n'avez pas là au CREA un tableau sous forme d'histogramme qui compare les différentes énergies là, en fonction de ce fameux coût au kilowattheure. Après, ça, c'est pas des choses. Vous n'avez pas ça? Parce qu'on peut toujours, on peut, pour apporter une réponse à la question, on peut essayer de chercher, de mettre ça en ligne après coup avec ta présentation, soit de votre côté ou soit d'une autre. Après, c'est difficile d'avoir des tableaux qui soient, en fait, qui prennent vraiment tout en compte, quoi. Et en fonction de qui va donner les informations, si c'est des produits, si c'est des, on va dire, s'il y a toujours dans l'énergie, il y a beaucoup de lobbying, que ce soit du côté des énergies renouvelables ou du côté des énergies traditionnelles. Et chacun a un petit peu tendance à favoriser sa solution. Donc c'est pour ça que c'est toujours difficile d'avoir des tableaux qui soient crédibles. Ça varie beaucoup vraiment en fonction des technologies, quoi. On voit le PR de Flamanville, forcément, si on se base sur celui-là, le coût du nucléaire, forcément, il va être très élevé parce qu'il y a énormément de retard, il y a un coût qui a explosé par rapport aux prévisions, quoi. Mais après, quand on se base, souvent, moi, je prends l'exemple d'un EPR qui était vendu en Angleterre, parce que là, ils ont été obligés de fixer le coût dès le départ. Hein. Il y avait des investisseurs privés, notamment chinois, qui ont investi dessus. Et donc, ils voulaient connaître le coût du kilowattheure. Et c'était défini avant la construction de la centrale. Et ça avait été fixé à 130 euros le mégawattheure. Ce qui était déjà très élevé, parce que l'époque où c'était fixé, le marché moyen en Europe, on était à 50 euros le mégawattheure. Et sur l'éolienne, on devait être sur 70-80 euros le mégawattheure à ce moment-là, en moyenne. Donc là, on voyait qu'on avait un coût qui était plus élevé sur du nucléaire que sur de l'éolien. Après, si on prend sur du nucléaire qui est des parcs existants, les coûts, ils ont déjà été amortis par le passé. Donc, comme ils ont déjà été amortis par le passé, si on considère que le coût de fonctionnement du parc nucléaire, il est assez bas. Mais c'est pas vraiment la réalité parce qu'il faudrait prendre tout en compte. Il faudrait prendre aussi en compte le coût de fabrication et le coût de démantèlement des centrales, quoi. Bon, on essaiera de trouver de notre côté des informations le plus neutres possible et de mettre un lien là sur notre site en complément de ta présentation qui sera disponible là pour répondre à une des questions. Après, si on revient aux questions, il y avait une question sur les puissances de moulins. Alors, bon, je pense que tu n'auras pas la réponse, parce que c'était une question très particulière. Nous, on a remis un moulin en activité sur Oléron. En termes de puissance, je suis incapable de vous répondre. Je peux juste dire qu'à l'année, a priori, ça apporte 100 tonnes de farine. Voilà. Mais c'est le seul ratio que je pourrais donner. Par contre, vous avez déjà une partie de la réponse. Vous avez la puissance disponible du vent. Parce que vous connaissez le diamètre de votre moulin, bah vous pouvez déjà connaître la puissance disponible, en connaissant le fait d'une mesure de vent. Par contre, le rendement du moulin sera beaucoup plus bas que le rendement d'une génératrice électrique. Après, sur les impacts, est-ce que tu as des infos sur l'impact sur la biodiversité? Parce que ça, c'est des questions qui reviennent beaucoup, qu'on se pose. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites, des choses que tu connais là-dessus, en plus du bruit? Alors, il y a sur les études d'impact qui sont faites. Alors, il y a beaucoup, souvent, il y a la question de la mortalité des oiseaux. Parce qu'effectivement, si un oiseau se prend une pale, ça va très vite. Hein. Une pale d'éolienne, on a l'impression que ça tourne pas vite comme ça. Si on est le bout de la pale, ça va très, 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 très vite. Quoi. Là, le petit oiseau, le pauvre, il est KO. Ceci dit,
Si on compare hein, la mortalité bah, des oiseaux, c'est de loin, avant tout, c'est l'homme qui est responsable de la mortalité principale des oiseaux, et notamment les voitures. Et c'est un facteur, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est, on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur. Et puis après, vous avez les chats qui arrivent, qui chassent les oiseaux, qui provoquent forcément une mortalité des oiseaux très importante aussi, quoi. Donc on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur hein, par rapport à ce type de mortalité. Donc l'impact qui existe, mais qui est quand même réduit par rapport à ça. Après, en fonction de l'implantation ben, de l'éolienne, il y a des études d'impact hein, qui doivent être faites, notamment s'il y a les zones Natura 2000, s'il y a des espèces endémiques, locales, toutes sortes de choses hein, parfois, mais tout ça doit être pris en compte. Quand on est sur l'éolienne offshore, alors il peut avoir un impact qui existe, mais c'est pas forcément un impact négatif parce que autour des éoliennes, il y a des zones de non-pêche hein, qui existent. Forcément, les bateaux ne doivent pas se rapprocher trop, ce qui parfois plaît pas forcément aux marins-pêcheurs d'ailleurs. Mais ceci dit, les zones de non-pêche et les zones de reproduction des poissons et des crustacés, quoi. C'est des zones où ils ne sont pas pêchés. Donc, ça peut au contraire bah, provoquer bah, le développement de la population aux alentours de ces zones-là, quoi. Donc il peut y avoir des impacts aussi positifs sur la biodiversité. Mais dans tous les cas, il faut une étude d'impact hein, qui soit réalisée. Hein. Chaque terrain a ses particularités, quoi. Ok, c'est vrai que c'est difficile de répondre à cette question qui est assez vaste, quoi. On n'a pas d'autres questions. Là, je vais être obligé de conclure parce que il est déjà quasiment 8 heures. Du coup, je voulais te remercier, Edouard, pour toute cette présentation, toutes les infos. Et donc, rappeler que l'enregistrement sera disponible en replay dans les jours à venir, ainsi que tes diapositives. Et du coup, je vous donne rendez-vous dans 15 jours donc pour l'énergie nucléaire, qui n'est pas forcément une énergie renouvelable, mais qui est une énergie décarbonée dont on parle beaucoup en ce moment. Et donc voilà, on a souhaité prévoir une intervention dédiée. Je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne soirée. Et encore merci à toi, Edouard. Merci à tous et puis désolé d'avoir été un petit peu trop long. Pas de problème. Et bonne Au soirée. revoir, à Bonsoir. bientôt.